Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ville moderne, j'espère que vous avez la forme. Bah écoutez, moi ça va super bien, malgré que ça commence à vraiment cailler, hein. L'été est parti, bien loin même. Donc voilà, on fait un peu comme on peut pour se réchauffer. Bon moi ça va, j'ai l'ordi qui me tient chaud à côté à force de tourner. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il manque un bloc ici déjà. J'ai prolongé un petit peu la route, c'est pour ça. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce un peu maîtresse de la ville. J'ai mis beaucoup de temps à la faire dans la saison 1, c'est la mairie tout simplement. Donc cette année, j'ai essayé de la faire beaucoup plus grosse et je la fais avec vous. L'année dernière, c'était oui, je l'avais fait en timelapse et ça n'avait pas du tout été apprécié. Puisque du coup, ben, vous n'avez pas pu la refaire. Donc aujourd'hui, on va la refaire ensemble, elle est assez grosse. J'espère que vous comprendrez bien, je vais faire de mon mieux comme d'habitude. Et puis voilà, j'ai essayé de combiner moderne et un petit peu une entrée... Vous savez, avec des pierres taillées, des choses un peu classiques, voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc moi c'est du minerai de charbon, mais vous prenez de la pierre si vous n'avez pas le pack, je vais y arriver. Et on va faire une ligne de pierre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par 2 de large. Ensuite on va prendre 3 premiers blocs, et à ces 3 premiers blocs, au quatrième, on va en mettre 2 comme ceci. 2 comme ceci, 2 comme ceci, sur 3 de large. En face, c'est simple, on va faire pareil, sauf qu'on va laisser deux blocs au milieu où on va mettre deux blocs d'herbe. Je vous mets un petit peu la vision du dessus que vous puissiez voir. Ensuite, ici, on va mettre trois blocs d'argile rouge. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs et on va remonter ici avec deux blocs. Vous voyez, ça fait un peu un U, mais un peu coupé, on va dire. Et de l'autre côté, c'est simple, on refait exactement la même chose au sol. Donc moi je vais me servir de Schematica. Si vous, ben, vous ne l'avez pas, vous faites exactement pareil que ce que vous avez fait en face. C'est simple, c'est la même chose, c'est un copier-coller tout bête. Voilà, et on obtient quelque chose comme ça. Ensuite on va prendre des escaliers blancs. Donc vous c'est en quartz, moi ils sont en bois d'acacia. Mais c'est pas grave, du moment qu'ils sont blancs c'est bon. On va partir contre ces pierres ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au 7ème on va faire demi-tour pour venir boucler. Alors pour l'instant je vous invite à mettre des escaliers jusqu'au bout. Voilà. Fermé comme ceci. Et maintenant on va regarder ici. Vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est normal. Je vais juste remettre le jour. Voilà. Donc ici au milieu de ce U là qu'on a fait, on va prendre les deux blocs qui sont pile au milieu. On va aller au niveau des escaliers et on va mettre 4 blocs. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 blocs au niveau des escaliers plus 2 blocs sur l'arrière des escaliers. Voilà, comme ceci. Alors là, pourquoi ça me fait du orange, je ne sais pas. Voilà, nickel. Alors ensuite, on va aller faire nos deux pieds en face. On va partir d'ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41... 42, 43, 44. Et au 45e bloc, on refait les mêmes formes qu'il y a là-bas. Sauf qu'il n'y aura pas d'herbe. Oui, c'est ça, il n'y aura pas d'herbe. Donc on fait une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X 2. N'oubliez pas votre deuxième ligne de la faire côté droit, pas côté gauche, sinon vous serez décentré. Et ici, pareil, on remet nos 6 blocs pile au milieu de notre ligne que nous venons de faire. Ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et à 6 blocs, on va remettre la deuxième, le deuxième pilier exactement le même que celui-ci. On met nos 6 blocs et on refait nos lignes au milieu. Tac. Voilà, bon, je vous explique pas tout. C'est la même chose, hein, la même chose qu'en face. Voilà. Voilà, parfait. On a nos supports de mairie. Alors la couche supérieure, bon je suis en train de me demander si on va pas faire deux vidéos sur la mairie parce que ça va être assez long à faire, je suis en train de me rendre compte. On va prendre des murets. Ici on va mettre un muret à l'extérieur et de l'autre côté aussi un muret à l'extérieur. Ici sur cette partie on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Pareil de l'autre côté, 6 blocs. Et ensuite on va repasser sur le U. Ok, retour monde, excusez-moi, petit souci. Donc je disais, ensuite on va repasser sur le U. Bon là, vous avez passé sur la pierre. On va suivre le modèle, tout simplement, que nous on a fait tout à l'heure. Comme ceci. Et voilà, tout simplement.
Les décorations, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Dedans, vous mettez de l'herbe, ce que vous voulez. Vous voyez, sur les deux blocs d'herbe. Et ensuite, ici, on va mettre une couche d'escalier. Alors oui, j'avais oublié que j'avais pas de support dessous. Vous voyez, c'est la couche, mais en décalé, hein, que ça fasse un escalier pour accéder à la mairie. Ici, on va remettre 4 blocs d'argile. Tac. Une couche d'escalier. Enfin, on continue tout simplement la lancer. Voilà, comme ceci. Celui-ci qui doit aller comme ça. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, impeccable. Ensuite, on va retourner de l'autre côté. Sur l'extérieur, comme là-bas, on va mettre un muret. Pareil ici. Et ici, nos 6 blocs d'argile, ce sera le pilier de la mairie, tout simplement. Pareil ici. Voilà, ensuite on va passer à la couche suivante. Alors ici, tant qu'on y est, on va continuer. On va remettre un autre pilier. On remet nos 6 blocs. Tac. Notre pilier. Et de l'autre côté, bah, c'est la même chose, normalement, à quelques blocs près. Encore un pilier ici. Un pilier ici, nos 6 blocs d'argile, on repasse sur ceux qu'on a mis tout à l'heure, on rajoute une couche. Bon ici c'est que je l'ai oublié, je vais le mettre, mais c'est que je l'ai oublié en fait sur mon témoin de départ. Voilà. Ensuite on met une couche de dalle devant les escaliers. Hop. Et ben je vais y arriver. Tac, tac, et tac. Une autre couche. Vous rajoutez une couche encore au-dessus. Voilà. Voilà, et ici, pareil, on rajoute nos blocs d'argile rouge. Voilà, donc on a l'escalier qui commence à prendre forme. On va passer à la couche suivante. Donc on va rajouter tout de suite ici nos escaliers, nos blocs d'argile rouge, pardon. Ici, bah, c'est toujours pareil, hein. Un muret, nos blocs d'argile, tac, bon ici c'est que j'ai encore oublié, mais non. On suit le même modèle que tout à l'heure, on met le pilier et on finit avec notre petit contour en escalier ici. Tac, 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 hop, hop, hop. C'est pour ça que j'ai mis des escaliers blancs d'ailleurs, c'est pour faire... c'est le côté un peu pierre taillée et chic des mairies. C'est normalement une mairie, c'est assez. C'est le bâtiment un peu principal de la ville, donc c'est assez beau. Là, j'ai essayé de faire moderne et croisé un peu avec quelque chose de travaillé au niveau du bâtiment. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais c'est toujours pareil. Hop, muret, muret. Et normalement, on doit voilà, attaquer la plateforme de la mairie. Parce que oui, dessous, il y aura un parking. Je vous le spoil un petit peu. Donc ici, on va remettre notre couche d'argile. Pareil ici. Oubliez pas une chose, comme on le voit plus, c'est le muret. Non, il n'y en a plus. Autant pour moi, c'est la dalle. Il y a une dalle qui va sur le muret. Avec une autre dalle par-dessus. Vous voyez, en gros, ça fait un bloc. Alors les dalles, ce que vous pouvez prendre, moi, c'est des dalles en bois d'acajou qui sont transformées en béton. Soit vous prenez des dalles en pierre, soit vous prenez des dalles en pierre taillée. C'est comme vous voulez. Je vous conseillerais plutôt des dalles en pierre, je pense que ce sera un petit peu plus joli à voir. Voilà donc, bah ici exactement pareil. Hop, on met deux dalles sur notre muret, parce que sinon ça fait pas une connexion si on met un bloc. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, impeccable. Ici, bah toujours pareil. On continue notre lancée. Du coup, on va mettre nos blocs d'argile. Tac, 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 tac. Vous suivez le modèle de tout à l'heure. Voilà. Je vous mets la forme du dessus. Vous puissiez bien voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme ceci. Ici, on va reprendre avec des dalles. Donc là, il me semble que oui, c'est une dalle. On va faire notre ligne de dalle, tout simplement. On va mettre des dalles devant en laissant un bloc de chaque côté pour pouvoir... faire le contour toujours en dalle. Voilà, parfait. J'en ai pas enlevé une, non, c'est bon.
Pour l'instant, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre plateforme. Alors, je vous indiquais les mesures et je ferai ça en hors caméra, moi. On va partir. On va partir d'ici. Donc, de large, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de large, la plateforme. Et la longueur, toujours en comptant le premier bloc ici, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. C'est ça, on s'est pas trompé. Bon les amis, je vais faire cette plateforme et on se retrouve tout de suite. Ok re tout le monde, donc voilà plateforme terminée. Alors couche suivante, du coup on va démarrer un peu avec de l'argile. Alors pourquoi ça? Voilà d'accord. Donc ici comme d'hab, 6 blocs d'argile, vous faites le contour. Au milieu vous pouvez en mettre, moi j'en mets pas, hein. Vous laissez un trou, ça fait pareil. Vous voyez ici j'en ai mis mais vous êtes vraiment pas obligé. Hop, en gros vous continuez le pilier et vous rajoutez. Alors pourquoi j'ai un bloc ici qui m'est demandé? Je pense que c'est une erreur en fait parce qu'il n'y en a pas ici. Donc en gros ouais, vous refaites le pilier ici. Celui-là on va l'enlever, il sert à rien. Il y a juste par contre une couche d'escalier qui va aller à ce niveau. Hop, voilà. En laissant un bloc ici d'espace. Et ensuite c'est simple, on prend de l'argile grise et on fait tout le tour de la plateforme en argile grise. Hop, donc moi je vais faire ça et on se retrouve pour la suite. Ok, re tout le monde, donc j'ai pas précisé, mais bien sûr ici on rajoute notre couche d'argile. Vous suivez de toute façon, vous allez voir, c'est des grands piliers qui montent jusqu'au toit, donc ça va être assez répétitif. Ok, donc il y a une deuxième couche d'argile à mettre, donc moi ça va être très simple, hein, on va pas se casser la tête. Ceux qui sont sur PS4 ou PS3, je suis désolé, vous allez devoir refaire le tour. Mais moi j'ai un truc qui s'appelle World Edit qui est très pratique. Hop. Voilà, nickel. Alors il y en a qui m'insultent parce que j'utilise World Edit, mais voilà, c'est ce qui vous permet d'avoir pas 36 parties de vidéo. Sinon, à chaque fois, je serais obligé de tout faire à la main, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Donc ici, bah, c'est simple. Hop, on fait le contour, toujours pareil. Sauf que cette fois-ci, on laisse un trou au milieu. Parce qu'il va y avoir un bloc dedans, tout simplement. Bon là, j'ai mis des blocs blancs hein, pour bien pas m'en. Pas l'oublier, je vais y arriver, mais vous ne mettez rien, vous laissez le trou comme ça. Là, on colle une rangée de dalles à la ligne grise d'argile qui est derrière, et puis on est OK. De l'autre côté, on va aller monter les piliers. Hop, voilà, nickel. Bon, maintenant, ça va être. Je vais passer toutes les couches, les amis, parce qu'on est un truc qui est assez répétitif et j'ai pas envie de faire couche par couche. Donc, on va monter de. Je vais vous montrer. On va mettre tous nos emplacements de piliers. Parce que vous voyez qu'il y en a plein. Donc ici, quand vous êtes en face de ces deux piliers, donc pas à l'entrée, on les repasse en rouge, bien évidemment. Hop, voilà. On vient coller un bout d'argile ici, un bout d'argile ici. Ensuite, quand on est à l'angle, on prend 1, 2, 3, 4, 5, au sixième, on met un bout d'argile. Vous comptez 9 blocs. Normalement, je vais recompter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, au neuvième, on en met 3. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au neuvième, on en met 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au dixième, on en met 1 cette fois-ci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore au dixième. Et ici, on fait notre pilier cette fois-ci que sur 6 ici, vous voyez, parce que là maintenant on a un bout de quartz rayé. Donc on va prendre forcément du quartz rayé et on va mettre notre bout de quartz rayé ici. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. On met 6 blocs ici et un bout de quartz rayé. Ensuite, devant ce quartz rayé, on met 2 d'argile. On laisse 2 d'espace au niveau du truc rouge ici, du pilier. On remet un bloc. De l'autre côté, pareil, 2 d'argile, un bloc. Et on va refaire pareil de l'autre côté. Donc c'est très simple. Vous remettez vos blocs exactement là où on les a mis l'autre fois, à part pour ici, je vais vous dire où c'est. Donc là, on compte à partir de celui-là qui est en face, vous voyez, on compte 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, et on met 3 blocs. Et ensuite, c'est reparti comme tout à l'heure. Hop, ici juste c'est pareil, vous voyez qu'en face on a 3 blocs, vous comprendrez pourquoi ici on a 3 blocs et pourquoi là-bas on a 3 blocs plus tard. On compte à partir de celui-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et au dixième on met le bloc. Ensuite ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et au dixième on met le bloc. Et pour finir, pareil ici, en face du pilier, enfin sur les côtés. Ensuite ici, en face des piliers, on va se décaler de 1 dans le vide, enfin de 2 même, excusez-moi. Et on va faire une ligne qui va arriver jusqu'à notre bloc gris d'en face. Voilà, comme ceci, avec bien un bloc d'espace ici, hein, vous ne collez pas au pilier. Ensuite, ce que je vous invite à faire les amis, c'est ça sur 2 de haut, 3 de haut, 4 de haut, et ensuite... on verra un petit peu comment on s'organise pour la suite. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va monter tous les piliers. Donc, vous voyez, vous montez ça comme ceci sur 1, 2, 3, 4 de haut. Et ce que vous allez faire, c'est prendre du verre noir, enfin des vitres noires, excusez-moi, et remplir l'intégralité des trous en vitres noires, comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous remplissez tout entre les piliers en vitres noires, sauf ici bien évidemment. Ce que je vais vous montrer plus tard, qui a tout simplement une forme rouge. Enfin, celle-là, on la fera plus tard. Mais sinon, tout partout où on a mis nos piliers, vous remplissez en vitre. Et juste ici, vous laissez normal, parce que bien évidemment, c'est l'entrée. Donc, s'il y a des vitres à l'entrée et qu'on ne peut pas rentrer, ben, il n'y a plus de mairie, quoi. Voilà les amis, donc je fais ça rapidos et on se retrouve pour la suite. Ok, re tout le monde, donc voilà, travail terminé. Donc, ce qu'on va faire, on va copier-coller... la ligne d'argile, normalement, voilà, une fois que vous avez vos vitres, ça fait quelque chose comme ça, sans cette ligne bleue au-dessus. Donc on va se mettre un bloc plus haut. Si vous voulez placer un petit repère, bah, vous mettez encore un bloc au-dessus de vos vitres. Vous tracez une ligne et vous refaites le même contour. Bon, moi, j'ai déjà copié-collé tout ça, sauf si je me suis fail. Non, ça marche, impeccable. Alors ici, au niveau des piliers, vous voyez qu'il y a un trou maintenant. Ce qu'on va faire, bah, c'est très simple. On continue. Vous bouchez ce trou, vous continuez le pilier. Tac. Voilà, impeccable. Pareil ici, c'est la même chose, on s'embête pas. Hop. Alors ça fera sûrement une vidéo très longue, je vais pas la faire en plusieurs fois, je suis en train de penser. Et ici, pareil, hop, vous voyez, on fait le contour comme ceci. Vous laissez bien un bloc d'espace, enfin vous en mettez un ici pour que ça fasse le sol, sinon on voit le trou. Et ensuite, vous mettez simplement un bloc tout le long. Comme ceci, sauf au dernier rang ici où on en met un autre pour boucher, sinon on verra l'intérieur de notre mairie. Et voilà, ça vous fait un bloc rouge comme ceci. Ensuite, on va repasser devant pour finaliser, je vais arriver un petit peu cette entrée. Donc ici, bah, c'est pareil, on monte tout ça, on s'embête pas. Tac, voilà, pareil de l'autre côté, c'est notre pilier central de toute façon, enfin central. Pas central, il n'est pas central, il n'est pas au milieu, donc c'est pas central, mais c'est notre pilier quand même. Voilà. Ici, c'est très simple, on met 1, 2, 3 blocs de quartz rayé en plus, donc 1, 2, 3, 4, parce qu'ici j'en ai oublié un. Au-dessus, on va mettre des trappes blanches, donc si ceux qui n'en ont pas, je vous invite à mettre des dalles de quartz, ça fait très bien l'affaire. On va mettre tout ça, ça nous fait un petit hall en fait. Une petite entrée un peu plus sympa. Tac, tac, tac. Celle-là, elle va pas là. Voilà, impeccable. Et là, on commence d'avoir une belle entrée de mairie, un peu à la fois moderne, mais vous voyez, on reste dans la pierre taillée avec ce grand escalier et les colonnes ici en quartz rayé. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Donc, la suite, c'est assez simple. Enfin, ça se complique un petit peu. Les piliers continuent, c'est pareil. Et on va tout simplement copier-coller cet étage. C'est-à-dire qu'on va refaire la même chose, mais au-dessus. Donc je vais monter sur 1, 2, 3, 4, 5. Au cinquième ici, vous voyez qu'on refera le tour. On va remettre les piliers exactement au même endroit où ils sont en dessous. Enfin, vous avez compris le truc, hein. C'est la même chose en fait, c'est un copier-coller de l'étage. Donc vous refaites pareil.
Vous remettez ici trois piliers, enfin trois largeurs d'argile. Tac. On relie tout ça. Donc les piliers font 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 de haut au total. Donc vous mettez 4 de haut. 1, 2, 3, 4. Et au cinquième, vous refaites le tour comme ici. Vous voyez cette bande ici là. Donc moi les amis, je vais faire un copier-coller tout bête. Hein. C'est exactement la même chose qu'en dessous. Si vous ne vous rappelez plus des mesures, vous regardez ce que vous avez fait en dessous. Sauf qu'il n'y a pas ça pour l'instant. Vous voyez, ça fait juste à partir de cette hauteur-là. Donc je fais ça et on se retrouve pour terminer cette mairie ensemble. À tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc voilà, bah, travail terminé. Ça va très très vite avec World Edit. C'est assez pratique. Donc là, bah, c'est simple. Hein, vous connaissez la suite. On remet nos piliers. On les monte toujours et encore. Pour boucher le devant de la façade. Voilà, pareil ici. Vous voyez, vous avez un trou derrière, en plus ça nous servira de rangement après, je pense, pour aménager un peu la mairie, ce sera cool. Voilà, une hauteur ici. Ici, c'est normalement des vitres, si je dis pas de bêtises, mais j'ai dû les mettre plus tard. Là, c'est pareil. On continue nos piliers, ainsi de suite. Hop, pareil ici. Tac. Et tac, voilà, bon, ça commence à avoir un petit peu de gueule, je suis assez satisfait. Ensuite, on va rajouter une colonne de piliers, enfin une ligne plutôt, et on va rajouter notre dernier cercle d'argile que je vais copier-coller, tac. Pour qu'il ait deux, oui, en bas il y en a deux, donc faut qu'il y en ait deux en haut, logiquement. Tac. Alors, copie. On monte d'un cran et paste. Impeccable. Ici, pareil, on va rajouter notre couche. Et normalement, on est arrivé, si je dis pas de bêtises, au toit juste après. Hop, voilà, impeccable. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous voyez que votre dernière couche d'argile ici, bah, vous allez devoir la faire traverser. Donc, on va faire ça ensemble. Deux sur deux de large, comme le pilier le fait. Enfin, la même largeur que le pilier, quoi. Tac, alors que je loupe pas le bout. Voilà. On fait pareil de l'autre côté sur deux de large. Donc je vais refaire celui-là avec vous, mais je fais pas l'autre. Hein. Vous avez compris, c'est le même principe. Voilà. Et on recouvre de dalles tout simplement à droite, à gauche et au milieu de ces piliers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme ceci. Et ensuite, justement, bah voilà, on reprend nos dalles et on vient les poser sur le toit comme ceci, sans les faire déborder ni rien, hein, tout simplement sur le toit. Hop. Voilà, comme ceci. Bon, les amis, moi je vais aller faire ça de mon côté et on se retrouve tout de suite pour terminer la mairie ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, re tout le monde, donc voilà, travail terminé, notre mairie est maintenant terminée. Juste ce qu'on va faire, c'est ici mettre des vitres noires. Hein, on va pas s'embêter, vu qu'il reste un petit espace. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop. Ce qu'on va faire, on va prendre des torches. On va finaliser rapidos la déco. On va prendre des tableaux. Et ici, on va faire nos panneaux publicitaires. Vous savez que sur une mairie, c'est toujours plein de panneaux publicitaires. Enfin, un peu tout ce qui se passe dans la ville comme événement. Puis c'est normal d'ailleurs. Hein. Donc ici, vous mettez des panneaux comme vous voulez ou vous faites plaise. Évitez juste peut-être que les deux soient côte à côte, les deux mêmes. Hop. Voilà. Et ici, on met deux torches au-dessus pour éclairer ça. Ça fait un panneau publicitaire sympa. Ici, on va faire pareil. On va rajouter une petite couche de vitre. Hop. Hop. Je vais peut-être pas arriver à les mettre. C'est pour ça que le copier-coller est intéressant pour mettre les vitres. Parce que c'est le bloc le plus chiant de Minecraft à poser, j'ai l'impression. Bah ici, c'est pareil. On met nos deux lampes. Et on met, alors peut-être pas d'aussi gros, des panneaux publicitaires. Alors il faut bien que ça respecte le format du, voyez, de la largeur qu'on a laissée. Donc essayez de faire attention. Tac. Tac. Hop, alors c'est un petit peu long parfois. Impeccable, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui manque pour notre mairie? Quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement les drapeaux
de la France. Donc on va prendre notre établi, vous posez les bannières ici, vous mettez trois colorants bleus en hauteur. Alors on va tous les mettre, j'ai pas fait attention, parce qu'il y a 16 bannières. Vous prenez votre bannière, on vire ça, vous mettez les colorants rouges de l'autre côté, et hop, ça vous fait des bannières avec le drapeau de la France, et on va mettre ça tout simplement ici, comme ceci. Et j'en avais mis également, je sais plus où j'en avais mis une ici. Quoique je sais plus où est-ce que je les avais mis exactement. Ouais, bon, c'est pas grave, les amis, ça ira très bien comme ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai rien mis d'autre? Est-ce que j'ai rien oublié? Non. Je pense que c'est bon. Bon, bah écoutez, les amis, on a notre mairie moderne. Alors, c'est vraiment moderne. Hein, c'est, voilà. Hein. Moi, j'aime bien le style parce qu'on a une entrée qui est assez détaillée et travaillée comme architecture. Et on a tout l'arrière de la mairie qui est du bon vieux carré avec des couleurs assez flashy, donc du moderne, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Ça me fera super plaisir parce que j'ai vraiment passé du temps là. À la faire, surtout qu'au début je n'avais vraiment pas d'inspiration. C'est la mairie de... J'ai perdu le nom de la ville. C'est la mairie d'une ville de... Pas Sao Paulo? Peut-être Sao Paulo, je ne sais plus. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, je vous laisse et puis bah, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.